Madame la ministre, Monsieur le Président, la région Pays-Bénin, Monsieur le Gouverneur, cher Alain Kadabula, nous sommes les bienvenus chez toi, à l'hôtel de ville. Monsieur Sarrelli, merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Conseil préfectoral du tourisme, la délégation régionale du tourisme et enfin l'association Ismaël Yacobra, que j'ai l'honneur de représenter, ont ainsi l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette 4e édition du FITAM, placée sous le patronage de Sidna, Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Choukran. Je vais être bref. Nous sommes tous plus jamais conscients du rôle que doit jouer la société civile dans la gestion des affaires locales et à l'essor de notre grande jeunesse et ses environs. Un développement équitablement distribué entre les deux grands pôles de la région Fès-Meknès. Le tourisme est un véritable levier de croissance, compte tenu de l'extraordinaire patrimoine matériel et immatériel que recèle la ville ancienne de Meknès, reconnue maintenant depuis plus de 20 ans comme patrimoine universel. C'est notamment dans cette optique que, grâce à nos partenaires, nous avons réuni experts et professionnels pour enrichir les débats ayant porté sur le thème majeur de cette 4e édition. Enfin, nous sommes persuadés que les 4 panels réunis hier auront abouti à une analyse pertinente des besoins en vue d'une action coordonnée, cohérente et efficace, à même d'explorer les moyens innovants pour le développement d'un tourisme durable et de qualité pour notre chère ville Meknès. Nous mesurons à sa juste valeur la contribution de tous les acteurs à la réussite de cet important événement et nous tenons à les remercier vivement, du fond du cœur, vraiment. Excellent. Madame la ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Hajabla, Monsieur Sabrini, Excellences, Mesdames et Messieurs, merci de votre attention et que Dieu vous garde. Merci.